Mademoiselle Julia Dioué avait des choses encore à vous dire. C'est pour découvrir une application. Ah, ça parle d'histoire, donc ça vous concerne. Ah oui. Bah oui, c'est complètement en lien, évidemment. Est-ce que vous êtes en train de dire, ça s'appelle quellehistoire.com. Plus qu'une application, c'est une série d'applications dont il est question vraiment, puisque chaque application se consacre à un petit personnage comme ceux que vous voyez là, un personnage célèbre de l'histoire, avec tout ce qu'il faut savoir sur ce personnage. Alors, par exemple, vous avez aussi bien, vous voyez Vauban que Vinci, que Mandela, que Napoléon, et j'en passe, évidemment, il y en a plein. À chaque fois, le graphisme est soigné. Mm-hmm. Il y a des quiz, c'est autant pour les grands que pour les petits, c'est extrêmement bien fait et c'est une appli par personnage. Du coup, c'est très complet. Merci beaucoup, Julia. Pourquoi vous ne faites pas ça, vous? Pourquoi vous n'avez pas une appli histoire Ça, c'est une bonne idée, mais déjà, vous voyez tout ce qu'il y a déjà sur le Oui, sur non, le mais net, vous, c'est mieux. Ah, bah, c'était très bien. Faites ça, faites l'histoire à Fredo. C'est vrai. Bien, non? Par contre, il fait du ski nautique. Par contre, il fait du paddle. Mais sinon, l'histoire à Fredo, pensez-y, hein, une appli. Je pense, William. Ouais, très bien. Il va encore toucher des droits. Bon. Sur la scène. Merci beaucoup. Allez, à plus tard.